La nouvelle formation Les Piliers du Top Laner est également disponible pour tout joueur qui vient de commencer League of Legends jusqu'à à peu près Master Elo. Elle vous permettra d'apprendre toutes les bonnes méthodes pour progresser en top lane, les méthodes de joueurs professionnels. Sur ce, profitez de la vidéo. Ce que je vous reproche à vous les gens, c'est que vous êtes devenus feignants. Quand on vous dit ça, vous vous offusquez. Oh mais nous grondes. Non, moi je parle à un public qui veut bosser. Un public qui veut réellement progresser. Et c'est pas une humiliation en public. Je suis pas en train de faire cette histoire personnelle. C'est vous qui voulez du sang. Je parle en général. Une grande majorité des gens sont devenus feignants. C'est pas parce que c'est un jeu vidéo que d'un coup on ne peut pas travailler dessus. C'est comme dans tous les autres domaines de la vie. On dirait faut être ingénieur. League of Legends est aussi compliqué que oui des diplômes. Ça l'est. Ça l'est. Et c'est pas parce que c'est un jeu vidéo et que toi que tu te divertis que tu dois seulement voir à travers ta vision. Depuis que je suis sur les réseaux ou depuis que je fais du contenu pédagogique, je m'adresse à des gens qui veulent tryhard. Simplement, vous êtes tellement vous êtes capable seulement que de regarder par votre vision. C'est inconcevable pour vous de regarder à travers une autre vision que la vôtre. Je parle à des gens qui veulent tryhard. Mon contenu n'a jamais été pour les casual. Mon contenu a toujours été pour les gens qui veulent tryhard le jeu. Oh, j'avais pas dû essayer de push, c'était une erreur. Faut que je baisse TP sinon je suis mort. Et c'est pas parce que toi dans ta conception du jeu vidéo et dans ta conception du jeu vidéo de League of Legends que toi tu t'amuses, que tu dois voir, que vous êtes tellement borné par rapport à là-dessus et c'est un truc que les réseaux ont amplifié fois 10 000, ta vision n'est pas ma vision, je respecte ta vision alors tu dois respecter aussi ma vision. Je m'adresse à un public qui veut réellement progresser et qui veut tryhard, pas qui voit le jeu comme un simple divertissement. Tu peux voir le jeu comme un divertissement, mais je me suis toujours adressé à des gens qui veulent réellement progresser. C'est chiant. Ok. Heureusement que j'ai bien joué le dive. Et bien évidemment que si toi ton but c'est juste de t'amuser, mon propos ne va pas correspondre à ce que tu recherches. Mais c'est pas pour autant que je dois changer mon propos. Ça fait de moi le grand méchant. Ça veut juste dire que tu n'es pas le public. Et dans ce cas-là, je vous invite tout simplement à quitter le stream. Devenir chirurgien, c'est plus... J'ai jamais dit que jouer à LoL, c'était plus facile que devenir chirurgien. Juste en train de te dire que League of Legends, c'est difficile. C'est aussi difficile que de faire des études. De manière générale. Genre, étudier League of Legends, c'est pas facile. Simplement, c'est parce que toi, dans ton prisme, tu considères que c'est un jeu vidéo, que c'est du divertissement, que tu dois élargir ta vision à tout le monde. Le propos est simple et super facile à comprendre. Arrêtez de toujours vouloir détourner les choses là où le débat n'est pas. C'est pas le débat. C'est de la mauvaise foi et de la malhonnêteté intellectuelle. Tout le monde a très bien compris ce que je suis en train de dire. Mais tu es en train de chercher dans le détail. Ouais, mais faire chirurgien, c'est plus difficile. Probablement. J'ai jamais dit que le débat ne repose pas sur être chirurgien ou pas. Je dis juste que étudier League of Legends, c'est aussi dur que de faire des études de manière générale. Et rediriger le débat vers un autre sujet annexe dont on n'en a rien à faire, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Parce que tu as très bien compris ce que j'essaye de te dire, mais tu es en train d'amener le sujet vers un endroit qui te donnera raison. Alors que tu sais pertinemment que j'ai raison, mais tu n'as pas envie de le dire. C'est-à-dire qu'on peut pas tryhard et s'améliorer en s'amusant. Tu peux, mais c'est toujours un mixte entre les deux, c'est pas du 50-50.
Come on, man. Elle est dead de chez dead. Si ça peut me donner un push out, tant mieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je peux pas l'aider. Le temps que j'essaye d'avoir un push out et de recall. Bon, si je suis seulement 10 SD derrière en early game en jouant contre Panthéon, c'est quelque chose qui me convient. Ah là, oui, il va pas crash. Bon, ça va, ça push quand même vers moi. Pas des gens qui sont là uniquement pour s'amuser. Il me faut un push out. Je pourrais freeze, mais je vais push parce que ça va me donner pas mal de thunes pour mon base. Ça, c'est huge. Un solo kill comme ça. C'est quoi, je vais même pas push ça. Après, le truc, c'est que mon jungler, il veut faire l'Herald. Ça, c'est chiant. Moi, je veux base. Peut-être Zed peut gagner du temps. Moi, j'aurais dû ouvrir l'Herald. Heureusement, là, il va avoir le temps de le faire. Ça va. Et il n'y a rien de plus agaçant que des gens qui, en tout cas, à mes yeux, dans ma vision, il n'y a rien de plus agaçant que des gens qui se plaignent de leurs conditions actuelles. Ça, c'est pas un problème de se plaindre de ta condition actuelle. Mais il n'y a rien de plus agaçant dans ma vision que des gens qui se plaignent de leurs conditions actuelles tout en remettant constamment la faute sur des paramètres extérieurs. Ça, c'est le truc, je suis en mode, mais frérot, concentre-toi sur ce que tu peux changer, en fait. Il y a des choses, forcément, tu peux pas changer. Concentre-toi sur ce que tu peux changer, en fait, tout simplement. Donc, sur LoL, ça va notamment être tous les gens qui se plaignent des paramètres extérieurs, des teammates, de ceci, de cela, etc. Tu veux pas être positif? C'est ce que je suis en train de dire. Les gens s'offusquent pour rien de nos jours. C'est pas être de la négativité de dire ça. C'est être réaliste. C'est juste être réaliste. Il n'y a pas de négativité. Je suis pas en train de dire c'est bien, c'est mauvais. Je suis en train de te dénoncer un fait. Un fait n'est pas positif ou négatif. Un fait, il est vrai ou faux. D'abord, avant d'être positif ou négatif, ça va dépendre de ta vision, encore une fois. Mais un fait, avant tout, il est positif, il est vrai ou il est faux. C'est quoi cette manie de toujours ramener aux choses ah, c'est bien, c'est pas bien. Non. Quand je te parle des vérités, je te parle de la véracité de la vérité. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça va, si c'est bien ou c'est pas bien, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse que dans un second plan. Je vais stay jusqu'à ce que j'ai mon riff, mec. Ce qui est important dans une vérité, c'est pas savoir si la vérité est bien ou elle est mal, ou si elle blesse ou si elle blesse pas. C'est de savoir, est-ce que déjà c'est une vérité? Est-ce vrai? Ah, my bad. Je suis désolé, quand tu regardes 99% des joueurs de League of Legends, c'est quelque chose qu'on peut observer tous les jours. Bon. Là, je suis bien. Là, s'il y a péta, il y a péta, mon gars. Attention, t'as plus de cooldown, mon gars. T'as plus de cooldown, mon gars. Après, là, je peux pas vraiment le lean, non. Aïe. Il me faut une longue lane, quoi. Je suis level 11, mon gars. Come on, bro. Il a son flash, il a pas flash là. Alors soit il a pas son flash, et dans ce cas là il y a un épisode que j'ai raté. Soit il a juste des couilles en acier. Parce que j'ai fait exprès de dash, de mettre l'auto et de wait un peu sur mon ultime pour qu'il panique et qu'il flash out. Je m'attendais au moins à ce qu'il crame son flash. Ça veut pas dire que ses paramètres extérieurs n'ont pas d'influence. Ça veut juste dire que c'est comme les... Je te donne un exemple, les gens qui croient à la loser queue. Qu'est-ce que vous voulez y faire? Gros, si la loser queue te... c'est ça qui t'empêche réellement de monter, fais des études d'ingénieur, postule chez Riot Games et annule la loser queue. Fais quelque chose. Sois dans la proactivité. Va travailler chez Riot Games et essaye d'abolir la loser queue.
Non, tu travailles pas chez Riot Games. Tu es en train de réviser ton bac blanc. Donc, ou tu es en train de profiter du lundi après ta longue journée de travail. Donc, tu n'es pas en train de travailler chez Riot Games. Donc, fais avec. Puisque tu ne peux rien y faire. Ok, il a remis. Ça, c'est juste. Ça va nous permettre d'avoir la tour au top. Nice. Un peu plus de sens ou... Le ghost était là depuis une minute, by the way. Et le gars, il a quand même pu récupérer mon ghost. Mais c'est même pas qu'une leçon de jeu, c'est juste dans la vie en général, gros. Il va t'arriver des trucs qui sont pas dans ton contrôle. Et c'est une mentalité de tous les jours. Ça veut dire que si tu le fais sur un jeu vidéo, tu vas le faire aussi en vrai. Après, les gens, ils vont commencer à dire « Non, mais si c'est sérieux... » Non, je réfléchis pas comme ça, mais gros, c'est pas vrai. En fait, ton cerveau fonctionne par habitude. C'est-à-dire, si tu le fais sur un jeu, tu vas aussi le faire en vrai. C'est plus profond que juste une histoire de jeu vidéo. De la même manière que si t'arrives à faire ça sur un jeu... Il y a de grandes chances pour que ça t'impacte aussi IRL. De la même manière que quand tu perds des games, t'es frustré IRL. De la même manière que quand t'es en win streak, t'es content IRL aussi. Ah. J'avais pas de bon angle de TP, c'est juste n'importe quoi là ce qui s'est passé. Suis-je macroniste ? Ça n'a rien à voir avec la macronie, ce que je suis en train de dire. Je cherche le rapport avec Macron, mais je ne perçois pas. Putain, les zappés sont tellement faibles, mais bon, maintenant que c'est des escapes, hein, mais ce sera Banshee après, mon gars. Ce sera Banshee après, mon gars. Aïe 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 aïe. Ouais, pas besoin de W pour le moment. Oh non, il y a le slip. Je suis en train de faire un carnage. Gwen Yumi. Youhou. Ah juste, j'avais pas vu le slip. DJ Schumacher. DJ Schumacher. Aga, moi je vends pas mon anneau de Doran. Aga, je vends mon anneau de Doran. Dans le W, oui, mais pour ça il faut le voir. Le W. Je ne vais pas prendre une réaction par rapport à quelque chose que je n'ai pas vu. Oh! Ah, gars, j'ai pas de W là. Ça peut faire flipper un petit peu cette affaire. Ok, moi, jouons safe. We got no W. Allez. We can play. We can play, we can play. Actually, on peut juste start, non? Là, on peut turn, non? On peut juste turn Jupiter, là. Ok, we are looking.
We are looking, I am looking. We're all looking. This guy is dead. We can go deep. We can go deep. You can go deep, Gaethan. Go deep. Go deeper. On dirait les... Alors, souvent, je regarde la série Formula sur Netflix. On dirait trop les mecs à la radio, ils disent... Comment on dit dépasser déjà en anglais? Comment ils disent déjà? Overtake. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok, can overtake. Ça fume, genre, chaque fois que je regarde. Ah, ça me termine, gros. Ah, vraiment, ça me l'est très, très bien. Désolé, il veut vraiment perdre. Ah, gars. C'est comme le top laner de la game d'avant. Hein. Il fait de son mieux. Bon, lui, il est un peu lazy. Parce qu'il devrait gros. Ah, devrait go mid. Parce que là, les mecs, ils forcent au mid. Je vais go fog. Je vais pas toucher la wave. Ça me force à bien jouer ma partie. Tu vois? C'est ce que je dis. Les gens, ils aiment trop se focus sur les choses extérieures. Oui, Mayumi griffe un peu. Mayumi devrait être mid et moi, je devrais push tout seul. Mais bon, ça me force à encore mieux jouer. Ça veut dire que je dois aller dans le fog. On reste dans les creeps. On garde le dernier ultimate. On fait rat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 
des produits pour stream, comme par exemple l'éclairage et les différents micros de chez Elgato. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choix. Je vous invite à aller faire un tour sur leur site internet. Vous avez le lien dans la description, ainsi que 5% avec mon code promotion Gaëtan.